L'occasion de ces folles journées de musique russe est grâce à Irina Shostakovich, la veuve du compositeur. Nous allons maintenant vous faire découvrir un document inédit datant de la fin des années 40. On y voit Shostakovich, celui qui a tout accepté et subi au nom de la musique et de la Russie, y compris le pire. Récit Michel Montpontet. Il est concentré sur sa musique et rien ne semble pouvoir le déranger. Aucun bruit, aucun souci. Mais nous sommes en 1942, durant le siège de Leningrad. Dehors, les nazis pilonnent sans cesse la ville. Cet homme, resté au milieu de la tempête, est l'un des plus grands compositeurs du siècle, Dmitri Shostakovich. Ces images, miraculeusement conservées, le montrent jouant ou composant, mais comme on porte une arme pour aider, avec sa musique, son peuple à résister face aux hordes nazies. Stravinsky, lui, était à Paris, Rachmaninov aux États-Unis. Autre document historique, mais comme un morceau d'une autre vie, si éloigné. Pourtant, nous ne sommes que 6 ans plus tard, et le héros est devenu pour le parti un traître. Il est là, dans la salle, avec ses pairs, mais écrasé. Sa musique vient d'être condamnée pour activité contre-révolutionnaire. Trop de musique, pas assez de communisme. Alors Shostakovich adhérera au parti, il sera obéissant et terrorisé. Il sera décoré comme personne par ce parti qui aura eu tant besoin de lui. Mais son regard, éternellement fuyant, apeuré, rappellera que l'ordre de Lénine fut bien planté dans le cœur d'un artiste humilié. Alors, reste sa musique. Voilà, puis je vous signale cette sortie de l'œuvre intégrale de Shostakovich aux éditions Chants du Monde. Il n'y a pas moins de 16 albums, éditions Chants du Monde. On a appris.